Vous voulez délivrer? Vous avez une bouche pour parler, hein? Vous voulez délivrer? Parce que les enfants, les gens s'occupent de tout à l'heure. Je vais m'occuper des enfants de Ragaillot. Ceux qui viennent de Ragaillot ont tellement duré. Je vais m'occuper de tout à l'heure. Vous reconnaissez que vous êtes sorcier? Vous pratiquez la sorcellerie? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous voulez alors? Vous voulez guérir? Vous mangez pas viande là-bas. Votre traite là, c'est arrivé. Vous mangez chair humaine, vous mangez fruits. Bientôt c'est la janvier. Vous pouvez pas vous laisser mouton là pour venir donner à Jésus. Vous voulez quoi? Marcher à Jésus? Vous pouvez continuer de servir Satan. Pourquoi vous voulez marcher à Jésus? Hein? On va pardonner le péché. Ah, vous avez péché. C'est quel péché vous avez fait? Tuer les gens aussi. Tuer les gens. C'est tout. Il est le seul à parler. On vous a forcé pour être ici, ouais. Vous voulez être délivré. Hein? Je ne comprends pas bien. Hein? Voilà, je vais vous poser une question, ça va vous énerver. Hein? Je ne vous force pas. Si vous êtes venu ici, vous voulez être quoi? De quoi? Je reconnais pour toi. Hein? Je te pose une question. Aïe, combien? Combien? Tu es fâché ou bien? Aïe. Combien tu comprends un peu ma question? Je ne t'ai pas forcé pour être ici. Je suis allé te soulever pour t'envoyer. Je suis allé vous soulever pour venir m'envoyer. Il y a des choses que je reprends à la société venir. C'est ça que tu es venu ici. Donc quand je parle, il faut me répondre. Il faut pas me fatiguer ou bien? Ne me fatiguez pas. Tu reconnais ta sorcellerie alors? Tu reconnais que tu es sorcière? Tu veux laisser? Et pourquoi? C'est tout. Pourquoi tu veux laisser? C'est pas si c'est bon que tu fais. Pourquoi tu veux laisser sorcellerie? Et toi? Et toi? Hein? Vous reconnaissez ça au moins? Bon, du moins tu reconnais. Tu reconnais ça? Hein? Tu veux laisser? Vous voulez laisser? Oui. Vous reconnaissez? Oui. Quoi? La sorcellerie. Aujourd'hui là, on va parler. Hein? C'est aujourd'hui là, tu vas verser l'huile, tu vas rentrer dans d'autres détails. On a commencé jusqu'à ce que moi-même j'ai dit c'est fini. Vous avez compris? Oui. À toi, tu as compris? Hein? Oui. Est-ce que je t'ai forcé? Non. Je t'ai forcé? Non. C'est moi qui dis que tu es sorcier. Ou maintenant tu reconnais pour toi là? Je reconnais. Tu reconnais que tu es sorcier? Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de guérison. Guérison? On a qu'à t'enlever ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu veux condamner la sorcellerie? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu veux condamner ça? Pourquoi? Pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon? Oui. Puis depuis, tu es dedans. Quelque chose qui n'est pas bon, tu es dedans depuis. On a qu'à t'enlever ça? Hein? Oui. Et toi? Je veux quitter dedans. Tu veux quitter dedans? Oui, c'est pas bon. Qui veut parler premièrement? Le premier à parler, c'est qui? Parmi les quatre. Toi? Tu veux être la première? Donc asseyez-vous. Les autres, asseyez-vous. Venez ici. Hein? Je préfère comme ça. Je peux connaître ton nom. Regarde-moi ici. Je peux connaître ton nom? Donne-moi tout ton nom. D'abord, tu m'as oublié. Zignon. Tu es de quelle ethnie? Dita. D'où? La Coutin. La Coutin. Tu es de quel village? Maïs. Tu reconnais ta sorcellerie? Oui. Qui t'a donné? Ma grande sœur. Il faut bien expliquer son nom. Je ne connais pas tout son nom, mais elle s'appelle Sandrine. Et comment elle t'a donné sorcellerie? Vous n'avez pas dû chercher les jeunes filles. Hein? Non, elle est bête. Je vais te montrer. Elle va sucer le cerveau là. Vous êtes possédé. C'est les petites filles là, vos yeux brillent. Non, fils, viens. Comment ton numéro? Je vais te montrer.
Tu es sorcière. Hein? Qui t'a donné? Ta soeur, comment elle s'appelle? Elle est où? Hein? Sandou. Elle est où? Elle est là. Comment elle t'a donné la sorcellerie? Elle est quoi? Elle, on a deux enfants, mais elle est chez son grand-père. Et puis, moi, je dis, c'est ma maman. Voilà, tu tournes, aller à Djamé, et tout bon, ça ne m'intéresse pas tout ça. Comment elle t'a donné la sorcellerie? Elle a donné, on mangeait. Hein? Tu vas tourner, on n'habite pas ensemble, j'étais 12 ans, j'étais ensemble. Comment elle t'a donné la sorcellerie? Elle a donné ça dans le temps. Hein? Elle m'a donné ça dans le temps. Explique. On mangeait, puis elle a transporté la nourriture. Hein? On mangeait, puis la nourriture, elle a transporté pour les amis. Elle a transporté pour les amis. Transformé pour les amis. Mm-hmm. Et puis elle mangeait, quand elle mangeait là, elle voyait qu'il n'était pas dans mon monde. Elle voyait qu'il n'était pas dans mon monde. Donc, elle s'est dans la maison là. Il n'est pas fallu ça, ma maman. Et puis, je suis pas dans la maison. Parle fort. Je suis passé à la maison, je n'ai pas parlé à ma maman, je suis passé à la maison, ça a bien avec moi. Tu préfères parler quoi, Dida ou un français? Français. Ok. Allons-y. Quand ma maman est venue, je suis venue me cacher à ma maman, je n'ai pas pu parler à ma maman. Comment tu as su que tu es devenue sorcière? Elle te dit qu'elle a transformé l'avocat, hein? T'as trouvé qu'elle est devenue quoi? Ce qu'elle suit, c'est qu'elle a été une, c'est comme pour mettre dans... Pardon. Je te demande la composition de l'huile. Avocat, elle est devenue quoi? Elle est devenue pâte. Comment tu as su que ce n'était pas vrai avocat? Elle t'a dit quand tu as mangé l'avocat, quelque chose s'est passé. Tu as dit quoi? Tu t'es transformé en chair humaine? Mm-hmm. C'est ça? Mm-hmm. Mais tu ne peux pas dire ça. Tu t'es transformé en chair humaine? Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a transformé ce que j'ai mangé là. Parle fort. Quand elle a transformé ce que j'ai mangé là, elle a dit qu'elle m'a donné la sorcellerie, que je n'étais pas dans moi-même. Quand tu dis que tu n'étais pas dans toi-même là, ça veut dire quoi? Explique. Elle a dit que je voyais partout. Hein? Partout. Ça là, tu as expliqué ça aussi. Hein? Quand tu as mangé, tu voyais partout. Ça veut dire quoi? Tu as commencé à voir clair. Explique. J'ai commencé à voir clair à ce moment-là. J'ai vu clair dans ce truc qu'elle faisait là. Je voyais tout. Donc, est-ce que la nuit, tu ne t'es pas retrouvé quelque part? Si. Ah, mais c'est ce que je veux que tu expliques. Oui. Donc, c'est qui t'entend de dire les détails? Quand tu as donné la sorcellerie, tu te retrouves où après? Je me suis retrouvé dans le même lieu. Hein? C'est là que tu peux dire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retrouvée dans le groupe. Je me suis retrouvée là-bas. Elle dit qu'elle va apprendre à tuer des gens. Mais moi, je ne veux pas apprendre à tuer des gens. Mmh. Elle dit qu'elle va apprendre à tuer des gens. Mais là, c'est pas parler s'amuser. Oh, où t'es parti là? C'est pas parler s'amuser. C'est pour tuer l'homme. Mmh. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a appris. C'est qu'elle voulait m'apprendre, c'est là que les gens disent, ils ont vu ça. Hé, quand tu me regardes, j'ai un enfant. Quand on te donne la sorcellerie, là, et que tu te retrouves là-bas, là, on te confie une mission, quand c'est clair, quand tu as mangé pour eux, tu dois donner pour toi. Et comme ça, tu intègres la confrérie. C'est comme ça. Moi, mais j'en ai des clients là-dessus. C'est que toi, tu fais sorcellerie, là. Je vais te détailler tout. Tu veux qu'on te soigne? Tu veux qu'on te soigne? Hein? Mm-hmm. Mais pourquoi, elle dit mon père, pourquoi sa voix de lui, ça ralentit? Tu ne veux pas laisser? Qui veut vous laisser? Mon voix sont approchés. Tout à l'heure, il a demandé qui voulait parler, j'ai dit c'est toi. Combien? Est-ce qu'on t'approche? Je suis à l'histoire, tu es dans moi ici? Mm-hmm. Hein? Comment tu te retrouves ici? Mm-hmm. Pour faire quoi? Pour parler. Mais tu ne parles pas justement. Donc va réfléchir. Je veux parler. Ah. Non, je t'écoute.
Allons-y. Quand je suis parti là-bas. Quand je suis parti là-bas, ils m'ont dit. Ils sont bonnes personnes. Hein? Je suis parti là-bas, moi j'étais jumelée. Je suis parti là-bas, ils m'ont dit. Elle dit, elle est partie, elle était jumelée. Elle s'est demandé de quoi. Hein? Hein? Je suis parti, je suis même passé. Et puis tu as fait? On dit que je suis ma soeur. Ma grand-mère dit que je suis ma soeur. Mais j'ai dit non, elle dit si. Et si moi je ne peux pas éviter ma soeur, je ne peux pas éviter ma mère. Il a dit non. Je suis ma soeur, j'ai tué dans ça. Tu l'as tué? Où elle est décédée dans ça? Oh, on te force pour être ici? Tu as livré ta soeur. Hein? Hein? Tu parles au venu ici. Ah, mais est-ce que c'est forcé? Tu as livré ta soeur comment? Ici là, c'est le seul endroit où tu peux être délivré. C'est-à-dire aujourd'hui, là, dans tout Côte d'Ivoire, là, c'est le seul endroit où on peut t'écouter. Et puis on peut t'écouter avec passion, tu vas avoir compassion pour t'aider. Sinon là-bas, dans d'autres coins, on va te frapper d'abord. Non, frappant. Nous sommes mieux placés pour te comprendre. Pour nous, tu as une maladie qu'on avait la sorcellerie. Pour nous, c'est une maladie. Parce que tu as été initié, tu as eu cette maladie-là. C'est une initiation. Il faut qu'on te débarrasse de ça. Donc, il ne faut même pas avoir peur de parler. On n'écoutait plus que ça. Moi, j'ai écouté pendant un mois, 1732. Une fois même qu'on fait, quand je suis fatigué, souvent, je dors souvent. 1732. Vu qu'on avait un dragon là contre moi, je l'ai délivré. Après ça, je l'ai envoyé à mon orphelin. Moi, j'ai fait les deux choses. Ouais, quand je sais que ta sorcellerie là, tu n'es pas prêt pour. Je signe ton visa pour Mauritanie. Ta femme, les portables là. Les portables. Hein? On te force pas. Tu es malade. Tu as quelle maladie? Tu as ça, non? Pourquoi avoir honte? Pour nous, c'est un moyen pour te délivrer. Il faut forcément ça. Il ne faut même pas avoir peur. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il veut parler, tu dis tu vas parler. Il ne faut pas parler librement. Pourquoi tu te délivres? Donc, quand tu es allé dans leur monde, là, hein, ils t'ont demandé quoi? Ils m'ont dit qu'ils veulent quelqu'un. Ils m'ont dit qu'ils veulent quelqu'un, qu'ils veulent ma soeur. Comment tu as fait pour livrer ta soeur? Je cherche un sorcier, on va faire confrontation. Vous avez le pouvoir. Quand vous pouvez attraper quelqu'un, vous faites comment? Vous faites comment? Explique. Souvent, la nuit, quand tu dors, on rentre chez toi. Vous rentrez dans la chambre des gens. Et comment? Tout le temps, la maison est fermée, tout ça, mais souvent, il y a un chien dehors, il y a vigile. Vous rentrez. Comment? La maison est fermée, tu rentres. Mais oui, justement, pour expliquer comment vous rentrez dans la maison. Souvent, quand ça va, on s'arrête devant la porte. Vous arrêtez devant la porte. On s'arrête devant la porte. Ah d'accord, vous avez bien compris. Ils s'arrêtent devant la porte. Quand ils se collent à la porte, ils sont déjà dans la maison. Donc c'est pour voir. Allons-y. Oui. Comment t'allais prendre ta soeur? Comment t'allais prendre ta soeur? Son âme. On m'a dit de livrer. Il est réalisé, mais c'est pas moi. Comment tu allais prendre l'âme de ta soeur? Vous aimez trop justifier. Quel est le vilain qui rend ça joli? Mais si on fait dans la maison, il faut justifier ce qu'il a fait dans la maison. Et son nom, c'est quoi? Elle s'appelait Rose. Elle s'appelait Rose. Comment tu as pris son âme? Souvent, quand tu te couches là. Elle, Rose, là. Tu as pris son âme comment? Elle doit coucher. Et puis, voilà.
elle, quand je suis rentré, il s'est couché ici, je l'appelle. Et puis son âme, là, c'est mieux. Oui, c'est la même manière. Mmh. Tu l'appelles son âme. L'âme est comment? L'âme est dans elle, ça s'élève comme l'homme. Ah, ça s'élève comme l'homme. Mmh. C'est en elle. Et quand tu parles, ça sort comme l'homme. Oui, tu fais quoi ça? Quand l'âme est sortie dans elle, là. Âme, là, ça te suit. Ça te suit. Il dit même pas non. Tu as eu le pouvoir pour annuler l'âme là dans lui là. Elle n'a plus le pouvoir. Tu pleures de quoi? Tu regrettes. Pourquoi t'as soin d'abord? Elle est malade. Il y a un gros vent. Non. On va la soigner. Ici là, c'est plus d'âme spirituelle. Je peux connaître ton nom? C'est toi? Je peux connaître ton nom? Oui. Hein? Déjà fait bas sur ma fille. Quoi? Déjà à fille bas sur ma fille. Tu as quoi? Hein? La sorcellerie. Ça veut dire quoi ta sorcellerie? On a déjà fait une maladie à la sorcellerie. Une sorcellerie, c'est quoi? Une maladie. C'est une maladie comment? Tu as ça? Qui t'a donné? Comment il t'a donné ça? Hein? Faut expliquer. Quand on mange la nuit, quand on mange la nuit, quand on la nuit vient dans la sauce, on vient manger. Quand tu mangeais la nuit, vient dans la sauce, puis tu as mangé. Ça veut dire quoi? Faut expliquer. Quand on mangeait la nuit, il est venu. Hein? Parle fort. Quand j'ai mangé, tu as fini de manger la nuit, il est venu me prendre. Il est venu me prendre. Puis il a dit que il n'est pas venu à partir. Il dit quoi? La nuit, il est venu me prendre. La nuit, il est venu te prendre. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Viens à partir. Viens à partir, ça? Où est-ce que la chouchouille? Viens à partir. Quand il est parti, il m'a donné du vin de la vie. Il y a bien là-bas? Il m'a donné ça. C'est sans la que 20. C'est ça. Hein? C'est 20, sans la que 20. Vaut du vin. Puis dans même quoi? Il m'a donné là. Il dit, je ne vais pas envoyer mon frère. Pas le fond. Il dit, je ne vais pas envoyer mon frère. Il dit, il veut mon frère. Il n'a qu'à envoyer ton quoi? Mon frère. Le nom c'est? Noé. Noé, tu l'as tué. Oui. Comment tu as fait pour le tuer? Je me suis transformé en serpent. Tu t'es transformé en serpent? Oui, je l'ai tué. Hein? Je l'ai tué. Comment tu as fait? La nuit, quand je suis parti, je me suis transformé en serpent et je suis rentré dans la maison. Tu t'es transformé en serpent? Oui. Et tu es rentré dans la maison. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait après? Je l'ai tué. Quand je l'ai tué, je suis sorti et je suis parti. Et quand tu l'as tué, tu n'as pas mangé? J'ai mangé. Mais comment tu as fait? Tu l'as tué et tu es parti. Tu n'as pas pris âme. Tu ne peux pas te dire ça. J'ai pris âme. Tu as tué combien? J'ai tué trois. Tu as trois personnes. Trois personnes. Trois. Tu veux changer? C'est neuf personnes que tu as tuées. Neuf. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Hein? C'est un serpent ou c'est un de l'homme? Ton serpent est vivant. Alors, monte devant toi. Monte le ventre. Oh, Yamé. Oh. Il vit dedans. Hein? Ton serpent qui tue, là. Il vit dedans. Comment il fait? Hein? Monte bien le ventre. Quand tu dors, il n'y a pas de laissé, hein? Pardon. Il y a trop d'envoûtés ici. Il faut se dégager.
On t'a forcé. Oh. Ton serpent là, comment il fait? Il vit où? Il vit dans ton ventre. Il sort en quel moment? Hein? La nuit. La nuit. Il a quelle grosseur? Et comment va ça? La forme de comment il est? Comment? Il est long. Et puis il vit en toi. Où tu l'as pris? Tu ne sais pas. Mais il est venu. Hein? Oh, où tu as pris ça? C'est ton grand-père qui t'a donné. Donc pour tuer le serpent, soit tu vas tuer les gens. Il sort comment? Pas de faux. La nuit quand on dort, la nuit elle sort. La nuit quand quoi? Quand on dort, à minuit elle sort. À une heure? À minuit. À minuit. Donc la nuit, le vent ne grossit pas. La nuit, ça devient plat. Ça n'est pas trop plat, mais ça devient. Ça, le vent est vidé, ça, non? Hein? Il sort. Il revient à quelle heure? À quatre, vous avez compris? À l'heure de l'aurore. C'est-à-dire que c'est clair, elle est consciente, et ça c'est vrai. Il revient à 4 heures. Mais il va faire quoi? Il va tuer les gens. Il boit, il mange quoi? Il mange vient de l'homme. Il te donne pour toi aussi. Hein? C'est gentil, hein? Je te partage ça aussi. Tu as gâté qui? Hein? Tu es papa? Tu l'as pas gâté? Tu n'as pas gâté son sang? Tu n'as pas gâté le champ de ton papa. Où est son père? Venez. Tu vois quoi? Parle fort. Tu as fait quoi? J'ai pris son champ. Tu as pris son champ. Tu t'as fait quoi le champ? Tu as pris, tu as mis ça dans le camp de sorcellerie. Comment tu es arrivé à prendre le champ pour m'amener? Non. Comment tu as pris le champ? Je n'ai pas demandé qui t'a envoyé. Comment tu as pris le champ et tu as envoyé là-bas? Comment? Pour expliquer. Parce que le champ est là et toi tu vas prendre. Tu as expliqué à Blanc, dit, mais nous sommes malades, on écoute une personne qui est dans les scoutistes. Comment tu as pris? Pas fort. J'ai pris petit mamite. Tu avais petit mamite. Tu as appelé le nom du champ. Tu as appelé le nom du champ. Et puis le champ est venu, puis il est rentré dans la. Dans les Canaries. Non, tu as dit le champ de mon papa, la faut rentrer dedans. Et puis tu es parti avec ça. C'est pourquoi? Tu as fait ça pourquoi? Hein? Le champ est produit? Non, effectivement. Le problème était fini. C'est la pénétrie. Non, est-ce que le champ produit? Rien. Ça veut dire quoi? Cacao ne sort pas. Ah, c'est le champ de cacao? C'est un hectare de midi. Rien. Ça veut dire cacao ou du grain? Ça veut dire rien. Ça veut dire quoi? Ça ne produit pas. Même pas du tout. Pour avoir un sac de cacao. Actuellement, je ne peux pas avoir un sac de cacao. Le chiffre avec le fait d'agenter dans le camp pour les manger. Et tu as du temps pour te demander. Mais non, tu as la vérité. Mais c'est comme ça, c'est aussi. À part lui, qui tu as gâté dans la famille? Le quoi? Le.
Ah, le, ton oncle, le grand frère de ton père, il est là? Qu'est-ce que tu as gâté? Oui, pas l'adjudant. Il dit quoi, sperme? Tu as pris son sperme? Tu as envoyé ça dans la bulle de sorcellerie. Comment tu t'es arrangé à aller prendre le sperme? Vous ne faites pas enfant. Ah, tu fonctionnes plus. Tu as tout bloqué. Comment tu as fait? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hé, hey, on écoute. Pas de problème. La nuit aussi, j'ai eu plusieurs défis à tout le monde. Allez, elle est venue coucher à toi en sorcellerie. Elle a tout bloqué, les parties. Ça a tué son enfant. Comment ça fait? On s'est pris les trompes. C'est ça? C'est quoi ça? Il veut quitter. Il veut sortir. On s'est pris. Hein? Il a peur, il veut partir. Vous regardez. Lui, le serpent est parti. Hein? Oui, tu as tué son enfant. Comment tu as tué son enfant? Je vous écoute, je t'écoute. J'ai pris le code quand tu as fait sortir. Quand tu as fait le coup de qui? De son fils. Tu l'as tué. Et tu as mangé ça. Tu l'as mangé. Tu as gâté qui encore? Il est encore en forme de bois. Tu as gâté qui encore? Enfant des grands-fils de ton papa. C'est qui? Hein? Lui, le village. La lumière est forte. T'as tué qui encore? Le fils de grand-père de ton papa. Le fils de grand-père de ton papa. T'as gâté qui? On a un problème, on n'a pas de micro. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que Dieu me délivre. Te délivre. Je veux que Dieu me délivre. Bien sûr. Problème. Je vais quitter la sorcellerie. Je vais te laisser cette nuit à réfléchir. En fait, demain, je vais accepter Jésus. Après, on fait ta délivrance. Donc, tu peux disparaître et puis envoyer la maison des gens. Ça, c'est le pouvoir. Et tu fais comment pour le Dieu? Tu fais comment? Tu as le pouvoir. Tu fais comment? C'est le serpent ou est-ce toi-même? C'est le serpent. J'envoie le serpent. Hein? C'est le serpent à Tissot. Tissot, il fait quoi? Il tue les gens. Il tue les gens. Demain, on va toucher la délivrance. Ok? Ils sont en train de la soigner. Hein? Ici, là, c'est le terminus. Il tourne du camp. C'est le terminus ici. Tu as le choix. Hein? Si tu veux délivrance, on va te délivrer. Si tu veux pas de délivrance, on va t'aider à te délivrer toi-même. Tu seras toi-même délivré. Tu seras obligé d'être délivré. Tu as un pouvoir, non? Hein? Pour me faire tomber. Pourquoi? Pour me terrasser. Et demain, il te fait combien? Allez, hein? Pourquoi? Ah, puis toi, tu es depuis là chez les sorciers. Tu sais que c'est pas la même chose. Puis toi, tu es chez les sorciers depuis. Hein? Toi, tu sais que Dieu, tu connais Dieu. Dieu existe.
vite sorcier existe. Hein? Tout toi, tu dépiches les sorciers, tu ne cherches pas à aller dans le camp de Dieu. Pourquoi? Ah, tu veux plus personne, tu faisais la sorcellerie. Pourquoi tu ne venais pas dans le camp de Dieu? Elle a programmé 4 personnes pour les fêtes. Hein? Mais ouais, toi, tu n'as pas programmé mouton cabri. J'ai envie qu'arrive là, chacun prépare son petit poulet. C'est faux ce qu'il dit. C'est faux ce qu'il dit. C'est vrai, non? Tu as promis 4 personnes. Pour les fêtes. Va t'asseoir. Je te dis ton dossier, c'est déjà dans ma main. Va t'asseoir. Le vieux dit, c'est là, viens. On va terminer. On va faire une action aujourd'hui. Viens.